On commence Bezrat Hashem au Dafkouf Gimel Amoud Bet à 4 lignes d'en bas. Amarava il cheta. La lacha elle dit Rabba. Echad sandal amusgar vechad sandal shemuchlat. Aussi bien une chaussure musgar, c'est-à-dire une chaussure qui a été mise de côté pour suivre le développement de la tsaraat, c'est-à-dire il y avait une tache. On craint que c'est une tache qui a une touma de tsaraat, de lèpre, qu'il y avait sur la chaussure. Donc la chaussure a été mise de côté pour vérifier comment ça progresse. Cette chaussure en question ne l'utilise pas pour la khalita. De même, sandal shemukhlat, c'est-à-dire que on a suivi la progression de la tache et on a décidé que ça y est, c'est tamé. C'est-à-dire il n'y a plus de doute dessus, c'est tamé. Il y a une touma évidente de tsaraat sur la chaussure. Vechad sandal shel avodat kochavim. De même, une chaussure de avodat zara, donc une chaussure qui a été mise au pied de l'idole pour la transporter d'un endroit à un autre. Lo tachlots. On ne l'utilise pas pour la chalitza. Vim chalta chalitza takshira. Si elle a fait chalitza, c'est kasher quand même bediavad. Donc si on a mis au pied du yavam ces chaussures en question, et la yavam elle est venue, elle a enlevé cette chaussure de son pied, c'est kasher. Shel tikrobet avodat kochavim. Si maintenant, la chaussure qu'il a utilisée était une chaussure qui était offerte, qui était donnée en offrande pour la avodah zara, Michel Irenidachat, ou bien une chaussure qui se trouvait dans une ville qui a été détournée complètement à la avodah zara, donc il faudrait la brûler. Michel Zaken Atulichvodo, de même une chaussure qui a été préparée pour un vieux de manière à l'enterrer avec. Lotachlot, Vim Khalta, Khalitata Psula. Cette chaussure-là n'est pas bonne pour la Khalitza, et si la Khalitza a été faite, la Khalitza elle est Psula. Amal Ravina le Ravashi. Ravina demanda à Ravashi, Maishna Zaken Atulichvodo, en quoi est différent le cas de la chaussure qui a été fabriquée pour le vieux, pour l'enterrer avec, des lavlilucha avid. Cette chaussure-là ne s'appelle pas une chaussure, elle n'a pas été faite pour marcher avec. Et donc, elle n'est pas bonne pour la chalitza. Des bedin anami, la chaussure du bedin aussi, que le bedin garde pour les chalitzot, lavlilucha avid, elle non plus n'a pas été fabriquée pour marcher avec. Donc, pourquoi est-ce que c'est kasher? Pourquoi est-ce que cette chaussure-là, elle est kshera pour la chalitza? Amar, il lui a répondu. Si le chaliar du Bedin, l'envoyé du Bedin, est allé faire une course du Bedin avec cette chaussure, est-ce que le juge il va lui en vouloir? Est-ce que le Bedin va lui en vouloir? Non. Donc c'est fait aussi pour ça. On peut marcher aussi avec. Donc ça s'appelle une chaussure qui est kshira pour la khalita a priori. Mishnah suivante. Khalta balaila khalitata kshira. Le Rabbi Elazar possède. La khalita qui a été faite la nuit. Elle est kshera, mais selon Rabbi Elazar, c'est pas soul. Bismol, si la chalitza était faite au pied gauche du yavam, chalitzata psula ve Rabbi Elazar marchir. La chalitza, elle est mauvaise, selon Rabbi Elazar, c'est kasher. Lema bekami flegel. La Gemara propose une explication à la discussion de la chalitza qui était faite la nuit. Demar savar, donc lema bekami flegel. Disons que leur discussion allait autour de la question à savoir, Mar Savar Makshinan Rivim Lenegaim, un Tana pense, on compare les disputes au Negaim, ou Mar Savar le Makshinan Rivim Lenegaim. Et l'autre Tana pense, on ne compare pas les disputes au Negaim, c'est-à-dire, il y a dans le Pasuk, un Pasuk dit, le Bedin va traiter tous les problèmes de Rivim, de disputes, et de Negaim, donc de Tsaraat, de lèpre. Le Bedin va venir traiter, s'en occuper, décider quoi en faire. Et du fait que le Pasuk a comparé ici les disputes avec la Tsaraat, et que je sais par ailleurs que les vérifications de Tsaraat ne se font que le jour et pas la nuit, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que dorénavant je vais décider qu'il en est de même pour les disputes, qu'elles ne seront traitées au Bedin que le jour et pas la nuit, ou pas? Or la Khalitza, la Gemara considère que c'est comme un Din Torah. C'est un peu une discussion entre deux côtés, par rapport à la Ktuva, etc., de cette Khalutza en question. Donc, ça devrait être considéré comme un Din Torah, comme une dispute qui est traitée devant le Bet Din. Et si je la compare donc à la Tsaraat, ça devrait être traité que le jour et pas la nuit. C'est ce que pense Tanakama. C'est ce que pense, pardon, Rabbi Elazar, qui dit que la Khalitza, la nuit, est Psula. Tanakama ne compare pas, et donc c'est Kacher. Donc, je reprends la phrase. Lema Bera Kamiflege. Disons que leur discussion, elle est en ça. Demar Savar, Antana pense, Makshinan Rivim le Negaim, on compare les disputes au Negaim, à la Tsaraat,
Et donc, ça ne se traite que le jour et pas la nuit. C'est Rabbi Elazar. Ou Mar Savar, lo makshinan rivim le negaim. Tanakama pense qu'on ne compare pas, donc ça peut se faire la nuit aussi. Lo, non, c'est pas ça leur discussion. Dekulalma lo makshinan rivim le negaim. D'après tout le monde, on ne compare pas les disputes au negaim. Des makshinan, car si tu comparais, afilu gumardin balaila namilo. Même terminer un jugement la nuit, on n'aurait pas pu faire. Or, on sait bien que la lacha elle est, le bedin commence à traiter la dispute le jour et peut terminer trancher la nuit. Et si tu comparais vraiment le din Torah, le jugement au Negaïm, à la Tzara'at, on devrait dire que ça ne se fait pas du tout la nuit, ni le début, ni la fin. Puisque je termine un din Torah la nuit, je comprends de là que ce n'est pas comparé du tout au Negaïm. Donc, allez, maintenant, on revient à la question, quelle est la discussion à savoir si la Khalitza se fait le jour ou la nuit aussi? La Gemara répond, voici leur discussion ici. Mar Savar Khalitza Ketriladin Damia. Un Tana compare la Khalitza au début du jugement. Et donc, ça ne se fait que le jour et pas la nuit. C'est Rabbi Elazar. Ou Mar Savar Khalitza Ketriladin Damia. Tana Kama, il pense que Khalitza, c'est comme la fin du jugement. Ça y est, elle était autorisée. Et donc, ça se fait la nuit aussi. Rabba Bachia Katusfa. Avadouvda raconte la Gemara sur ce Rabba Bachia Katusfa qui a fait, il a fait lui-même une Khalitza, Bemok ou Bihidi ou Balaila. Donc il a permis une Khalitza Bemok avec des chaussons ou Bihidi seul, pas devant trois juges, et la nuit. Amar Shmuel, Shmuel n'était pas content de ça, n'était pas content de ce que Rabba Bachia a fait. Il a dit, Kamarav Gouvre, combien est grande sa force de ce Rabba Bachia, en fait, est une manière de dire qu'il n'est pas à la hauteur de se permettre une chose pareille. David Kirchida, de faire comme un Tana unique, comment peut-il se permettre, combien est grande sa force de se permettre de faire comme un Tana unique qui permet de faire de cette manière-là la Khalitza? Maïkashia, qu'est-ce qui a embêté Shmuel, qu'est-ce qui le gênait? Imok, si c'est la chausson, Stamatania, nous avons une Braïta qui a permis ça. C'est pas un Tana unique, c'est une Braïta Stamat, donc c'est une Braïta toute simple qui vient dire que ça se fait. Ilaïla, si ce qui l'étonnait c'était la nuit, Stamatania, on l'a enseigné aussi simplement que ça peut se faire la nuit. D'ailleurs, c'est notre Mishnah qui a dit la Khalitza la nuit, elle est Kshera. Elle a répondu à Gemara. Mok, en fait, c'est pas des chaussons, c'est une chaussure qui n'est pas en cuir. Et on a vu une braïta qui disait, dans le daf kouf bet amoud bet, que ça peut se faire. En tout cas, la Gemara dit donc, quel est le problème ici? Pourquoi Shmuel n'était pas content de Rabba Bachia? On a enseigné que ça peut se faire la nuit, dans notre Mishnah, on a enseigné que ça peut se faire aussi avec une chaussure qui n'est pas en cuir. Donc, répond la Gemara, quel était son problème? Elle a yichidi kakashi ale. Ce qui le dérangeait, c'est comment est-ce qu'il se permettait de faire la Khalitza seul. Hechi avid bichidi. Comment il a pu faire la Khalitza tout seul? Dechida ktanela. C'est un Tana unique qui l'a permis. En principe, les Tanaïm ne pensent pas comme ça. Detnal, comme on voit dans une Mishnah. Khalta bishnaim ou bishlosha. C'est la Mishnah suivante qui dira si la Khalitza était faite devant deux ou trois personnes, devant deux personnes, virgule. Oh, ou bien. Mishlosha venimtsa echadmen karov ou pasoul. Devant trois personnes, dont un s'est trouvé finalement proche ou pasoul pour une autre raison, donc il n'en restait plus que deux. Autrement dit, une khalitza qui a été faite devant deux juges, deux personnes. Khalitza psoula. Donc nous avons le Tana qui, la Mishnah, pardon, qui dit simplement c'est pasoul. Verabi Shimon verabi Yochanan asandlar marchirim. Par contre, nous avons deux Tanaïm, Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan qui permettent. Umase bechat shichalat beno levena bebet asurim. C'était l'histoire de quelqu'un qui a fait Khalitza avec sa Evama, seul, en prison, devant personne. Obama Selifne Rabbi Akiva Virchir. La question a été posée à Rabbi Akiva et il a validé la Khalitza. Il a dit que c'est kasher. Donc tu vois que nous avons que Rabbi Akiva qui permet la Khalitza seul. La halakha n'est pas comme ces Tanaïm là qui disent que la Khalitza peut se faire devant deux personnes. Donc comment? C'est ce que Shmuel était dérangé, étonné sur Rabba Bachia qui s'était permis de faire la Khalitza Beichidi seul. Répond la Gemara. Ça, c'est une première explication. Veiba était ma deuxième explication, dit la Gemara. Shmuel était dérangé non seulement par le fait que la Khalitza était faite seule,
mais aussi par le fait qu'elle était faite avec cette chaussure-là qui n'était pas en cuir, et aussi que ça a été fait la nuit. Kulunami echida ktanelu. Toutes ces halachot-là, toutes ces coulottes de chalitza n'ont été enseignées que par un tana unique, qui n'est pas la vie simple des tanaïm et des mishnayot. Détanya la Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Ani raïtet Rabbi Shmuel ben Elisha. Rabbi Shmuel Rabbi aussi vient témoigner qu'il a vu Rabbi Shmuel ben Elisha, qui a fait une chalitza, shechalat bemok bichideu balayla. Il a fait une chalitza justement avec une chaussure comme ça qui n'était pas en cuir, et seul, et la nuit. Donc c'est lui, l'auteur de notre Mishnah, qui a dit simplement « c'est kasher la nuit ». Mais en principe, et c'est lui aussi l'auteur de la Braïta qui avait dit que c'est kasher aussi par une chaussure qui n'est pas en cuir. Mais en principe, les Tanaïm simplement ne pensent pas comme ça, en principe c'est pas comme ça à l'alakha. Donc c'est pour ça que Shmuel n'était pas content de ça, du fait que Rabbi Chia, Rabba Bachia s'était permis de faire seul, la nuit, et avec une chaussure qui n'était pas en cuir. C'était trois problèmes à ses yeux. Bismol, Khalitsata Verhoulé. On a vu à propos de la Yevama qui a fait la Khalitsa au pied gauche du Yavam. Et donc on a dit que cette Khalitsa, selon Tanakama Lepsula, selon Rabbi Elazar, Kacher. Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbanan que c'est Pasoul? Amaroula répond à Gemara, Yalfinan Regel, Regel et Metzora. On fait une Xera Shava. Il est écrit Regel à propos de la Khalitsa, il est écrit Regel à propos du Metzora. Ma Lalan de Yamin, Afkan de Yamin. De même que pour purifier le Metzora, il faut mettre sur le pouce de son pied droit le sang du corban, l'huile, ça ne se met que sur le pied droit. Eh bien, Afkan Diamine, ici aussi pour la Khalitza, ça ne se fait qu'au pied droit. Mais Rabbi Elazar, le Halif Regal Regal Yemetzora. Donc lui, Rabbi Elazar, ne fait pas cette Gzera Shava, il ne compare pas la Khalitza au Metzora. Ici, ça peut se faire au pied gauche aussi. La Gemara demande Vatani Rabbi Elazar Omer. On voit pourtant que Rabbi Elazar, il tient, lui, de cette, Rabbi Elazar, il tient de cette Gzera Shava là. Puisque nous avons une Braïta qui dit Minay ne reti'a shei be'ozen haimanit. Il s'agit ici d'un serviteur juif qui a travaillé son maître pendant 6 ans et qui devait se libérer. Il voulait rester chez son maître en disant « j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants » qui en fait, c'est même pas une juive, certains, parce qu'on lui a donné une servante pour amener des esclaves. Et c'est une goya en principe, à la base. Et lui, il veut rester chez son maître et ne pas se libérer. La Torah voit très mal ce phénomène, ce désir-là de rester chez son maître. La Torah dit qu'il faudra lui percer l'oreille, parce que c'est une oreille qui a entendu à Sinaï. Vous êtes mes serviteurs et pas les serviteurs de mes serviteurs. Et voici un qui va se mettre un patron sur la tête. Donc lui, il faut lui percer l'oreille. En tout cas, on revient à la Gemara ici. L'oreille, il faut la percer, mais laquelle? Droite, de droite. Et donc c'est ça, c'est pas écrit droit dans la Torah, mais simplement on fait une Gzera Shava. Donc, minay le retia shi beozen haimanit, d'où je sais que la retia, donc il faut lui percer l'oreille droite et pas gauche, neymar kan ozen venemar el alan ozen. Ici, il est dit à propos de la retia, il faut lui percer l'oreille. Il est dit à propos du metzora, il faut le purifier en mettant sur son oreille du korban. Ma l'alan yamin afkan yamin. De même que pour le metzora, c'est écrit clairement dans la Torah qu'il s'agit du côté droit, ici aussi, il s'agit du côté droit. Donc, tu vois que Rabbi Elazar, il tient de cette Gzera Shava. Pourquoi est-ce que Rabbi Elazar, donc, il fait la Gzera Shava oreille-oreille du Metzora au serviteur? Et pourquoi ne pas faire, donc, du Metzora à la Gzera Shava à partir du pied du Metzora au pied de la Khalita, du Yavam? Répond la Gemara, effectivement, Marav Yitzhak bar Yosef à Marav Yochanan, Mukhlefet Ashita. Les Tanaïm se sont inversés ici. Il faut corriger et inverser les Tanaïm. Deuxième réponse, dit la Gemara. Rava amar l'olam lo tipuch. Non, on n'inverse pas. Ozen ozen mufne. Regal regal lo mufne. C'est-à-dire, la Gzera Shava de ozen, d'oreille à l'oreille, de l'oreille du Metzora à l'oreille du serviteur, c'est une Gzera Shava qui peut se faire parce que ce sont des mots en trop aussi bien à propos du Metzora qu'à propos du serviteur. Donc, puisque ce sont des mots en trop dans la Torah, le fait que c'est écrit ozen, c'est un mot en trop, c'est une répétition. Ça ne vient que pour cette Gzera Shava pour t'indiquer qu'il s'agit de l'oreille droite. Moufne, donc c'est libre. Tandis que Regel Regel le Moufne, la Gzera Shava du pied au pied, n'est pas une Gzera Shava de libre. C'est-à-dire, à propos de la Yevama, on a besoin du mot Regel. C'est pas un mot en trop qui viendrait pour une Gzera Shava. Et puisque on en a besoin et qu'il ne vient pas pour une Gzera Shava, donc on ne peut pas forcément maintenir cette Gzera Shava. La Gemara dit, et alors, si c'est un mot
qui n'est pas libre, qu'est-ce qui te gêne de faire cette Gzera Shava? Est-ce que tu as une objection sur la Gzera Shava? Parce que les règles sont, quand le mot est en trop, des deux côtés, je fais la Gzera Shava même si je pouvais l'objecter. Mais quand il y a un seul côté qui est libre et l'autre côté qui n'est pas en trop, je fais a priori la Gzera Shava, mais si je peux l'objecter, je la repousse. Donc ici se pose la question, qu'est-ce qui te repousse la Gzera Shava? Pourquoi ne pas prendre le Yavam du Metora? Répond la Gemara Kalemi Frachma le Metora Sheken. On pourrait objecter en disant le Metora il est différent Sheken Taoun. Il a une halakha spéciale que lui, pour sa purification, il faut amener Eteres Vezov ou Shmitolat. Donc il y a toutes les plantes qu'il faut amener pour tremper dans le sang de l'oiseau, etc. Comme ce que la Torah dit de faire pour la purification du Metora. Il faut amener donc Eteres, un bois de cèdre, Vezov et Dizop ou Shmitolat et encore un fil de laine trempé dans du rouge, dans du sang d'un certain insecte. En tout cas, là-bas, ce sont des halakhot spéciales pour le Metora. Tu ne peux pas apprendre de là quoi que ce soit. Et puisque la Gzera Shava n'est pas libre, il n'y a pas ici un mot en trop des deux côtés pour faire la Gzera Shava malgré les objections. Au contraire, on a besoin du mot régal de Khalitza. C'est pas un mot en trop. Donc, j'objecte, je repousse la comparaison de Metora à Yavam, à Khalitza. C'est comme ça que finalement on arrive à la discussion dans notre Mishnah, à savoir si la Khalitza qui a été faite au pied gauche, elle est Kshera ou pas Kshera. Si tu compares au Metora, tu dis que la Khalitza au pied gauche, elle est Psula. Si tu ne compares pas, tu dis que c'est Kasher. Mishnah suivante. Khalitza Verakeka. Donc on sait bien, il y a trois étapes, trois mitzvot à faire dans la Khalitza. Il faut enlever la chaussure, premièrement. Deuxièmement, il faut cracher, la Yavama doit cracher devant le Yavam en disant « Ainsi on fera à celui qui n'a pas voulu remonter le foyer de son frère. » Et donc nous avons ces trois mitzvot-là qui sont d'enlever la chaussure, de cracher et de lire les psukim concernant la Khalitza. Donc la Mishnah ici demande qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est facultatif. « Khalta verakeka avalokara » Si elle a fait la Khalitza et elle a craché mais elle n'a pas lu les psukim, Khalitzata kshera, bon, ça va, c'est kasher. Kara verakeka valo khalta, khalitzata psula. Elle a lu, elle a craché, mais elle n'a pas enlevé la chaussure, c'est pas soul. Khalta vekara valo karakeka. Si elle a enlevé la chaussure, elle a lu les psukim, mais elle n'a pas craché. Rabbi Elazar omer khalitzata psula, Rabbi Akiva omer khalitzata kshera. Selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Selon Rabbi Akiva, c'est kasher. On tourne la page. Amar le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit non, c'est obligatoire de cracher, sinon la Khalitza elle est mauvaise, d'où je sais ça. Parce que c'est écrit dans le pasuk Kacha Yaase. Ainsi, on fera. Donc, ainsi et pas autrement. Ainsi se rapporte sur tout ce qu'on fait. Donc, Kol Davar Shu Maase, toutes les actions autour de la Khalitza, Me'akev sont obligatoires. Or, cracher, c'est un Maase, c'est une action de la part de la Evama. Et donc, c'est obligatoire, sans ça, la Khalitza elle est psula. Amar le Rabbi Akiva, Misham Raya, Rabbi Akiva lui répond, est-ce que tu as une preuve de ce pasouk? Kacha yaase laish. Ainsi, dit le pasouk, on fera à l'homme. À l'homme. Donc, tout ce qui se fait vis-à-vis de l'homme, du Yavam, est obligatoire dans la Khalitza. Ainsi et pas autrement. Kol davar shumaase beish, tout ce qui se fait sur le Yavam, comme lui enlever la chaussure, c'est obligatoire. Mais cracher, ça ne se fait que devant lui, et pas sur lui. Donc, c'est pas Me'akev. C'est-à-dire, la Khalitza, elle est Kshera, même sans ça. Autre halakha dit la Mishnah, Acheresh Shenechlas. Un Yavam sourd-muet, à qui on a fait Khalitza, on lui a enlevé la chaussure. Acheresh Shechalta, ou bien une Yavama qui elle-même, elle est sourde. Vecholetet le Katan. De même, une Yavama qui a fait Khalitza à un enfant Yavam. Khalitza d'Apsula, la Khalitza elle est mauvaise. Ktana Shechalta, une petite qui a fait Khalitza, Tachlot Meshetakdil, elle doit refaire Khalitza une fois qu'elle grandit. Nimlochalta Khalitza d'Apsula, si elle ne l'a pas refait, eh bien c'est pas soul. Khalitza Bishnaim ou Bishlosha, la Khalitza qui a été faite devant deux, ou bien devant trois personnes alors que Venimte Echadmen Karov ou Pasoul, un d'entre eux s'est trouvé proche ou Pasoul, donc il n'en reste plus que deux. Khalitata psula. Donc, selon le Tanakama ici, la Khalitza elle est mauvaise. Et comme on a vu, Rabbi Shimon ve Rabbi Yochanan Asadlar Marchirin, selon cet Anaïmda, elle est kshera.
C'était l'histoire d'un homme qui a fait Khalita entre lui et sa femme, la Yevama, en prison, donc il n'y avait personne devant eux. Et l'histoire s'est posée à Rabbi Akiva, il a dit que c'est bon, c'est kasher. Amarava, Ashta Damrat Kriya Lome Akva, maintenant qu'on a appris dans la Mishnah que la lecture des psukim de la Khalita, elle n'est pas obligatoire, elle est obligatoire a priori, mais elle n'empêche pas la Khalita, c'est-à-dire que sans ça c'est kasher. Nefichach ilem veilem et shechaltu, Khalitatan kshira, un muet et une muette qui ont fait Khalita, ils n'ont pas lu les psukim qu'il fallait, la Khalita elle est kshira. La Gemara demande de notre Mishnah en voix. Resh enechlat, la reshet shechalta, un sourd qui a fait Khalita ou une sourde qui a fait Khalita, la choletet minakatan ou bien celle qui a fait Khalita d'un enfant, Khalita tapsula. La Khalita elle est mauvaise. Donc quand on parle dans la Mishnah d'un sourd, toujours c'est un sourd muet. Ça veut dire qu'il n'a pas lu les psukim. Maïtaama, quel est le problème? Lav mishum de lav nekrianinu, n'est-ce pas qu'ils ne peuvent pas lire? Le problème est qu'ils ne peuvent pas lire, le sourd muet et la sourde muette ne peuvent pas lire. Et c'est ça le problème, donc ne me dis pas qu'un muet ou une muette peuvent faire Khalita. Non, c'est pas ça la raison de la Mishnah. Mishum de lav nekrianinu, le problème c'est un problème de conscience. Le sourd muet n'a pas de conscience, il n'a pas de vie sociale, donc il n'a pas de conscience normale. Et donc, c'est ça qui fait qu'il n'est pas saoul. Par contre, le muet, lui, alors la Gemara demande, mais lui aussi, Yachi ilem vilem et nami, les muets aussi ne devraient pas pouvoir faire Khalita parce que tu me dis ils ont un problème de conscience. Et répond la Gemara, non, pas du tout. Amarava, ilem vilem et bene deaninu. Ils sont très conscients, ils sont tout à fait conscients, les muets. Ou pour Mayu de Kaivleu, ce n'est que la bouche qui leur fait mal, c'est-à-dire ils ont un problème un peu extérieur, un problème qui fait qu'ils ont un problème technique de parler, mais sinon dans la tête, dans la conscience, ils entendent ce qui se passe autour d'eux, ils comprennent tout. Le fait qu'ils ne puissent pas s'exprimer n'est pas une raison de les considérer comme des gens qui ont un problème de conscience, ils sont tout à fait conscients. Et puisque le problème de la Mishnah n'est qu'un problème de conscience, à propos des muets, on n'a pas ce problème-là parce qu'ils ne sont pas aussi sourds, alors la Khalita serait Kshira. Le problème qui reste est la lecture. Or, on a vu dans la Mishnah que la lecture, c'est facultatif, donc ils peuvent faire Khalita. Demande à Gemara Vemre de Rabbi Anaï, comment dis-tu que le problème des sourds muets est un problème de conscience? Pourtant, Rabbi Anaï, on dit chez lui, les fichés nobe amar vemra. Le problème des sourds muets, c'est qu'ils ne peuvent pas lire les psukim. Ils ne veulent pas dire Eno Be'amar, Ve'amra. On ne peut pas appliquer sur le pasuk qui a dit Amar, le Yavam dira, elle dira. Donc c'est un problème de lecture. Et la Kiitmar de Rava Asefa Itmar. La Gemara corrige donc effectivement, Rava a parlé plutôt sur la suite de la Mishnah qui a dit Cheresh Shenechlat Ve'cheresh Shechalta. Donc le sourd qui a fait Khalita ou elle qui a fait Khalita, Ve'choletet Minakatan ou quand c'était fait d'un enfant, Khalitata Psula. C'est une mauvaise Khalita. Et là-dessus, Rava se rapporte en disant à Marava, Hashta Damrat Kriya Me'akva, maintenant que tu as dit que la lecture est obligatoire et que donc les sourds muets ne peuvent pas faire Khalita, les Fichach d'après ça, pas uniquement le sourd muet ne fait pas Khalita, mais même le muet, les muets ne peuvent pas non plus faire. Ilem ve'ilem et Tichaltu, Khalita Tam Sula. C'est une mauvaise Khalita de leur part puisqu'ils ne peuvent pas dire les psukim. Ah, mais tu me diras, mais dans la Mishnah, on a vu clairement que si la lecture n'a pas été faite, la Khalita est Kshera. Ou matnitin ke Rabbi Zera. Notre Mishnah se comprendra selon le principe de Rabbi Zera qui a dit Damar Rabbi Zera kol ra'ul bila en bila me'akevet bo. Rabbi Zera se rapporte sur une offrande de farine, une mincha. Il y a une certaine limite à la quantité de farine qu'on puisse mettre dans le récipient parce que trop ne peut pas se mélanger correctement avec l'huile. Et on demande dessus, mais de toute façon, le mélange de l'huile dans la farine n'est pas obligatoire. Et Rabbi Zera y répond à ça, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire de mélanger pratiquement l'huile dans la farine, mais il faut que ce soit susceptible de l'être. Tout ce qui est susceptible d'être mélangé avec l'huile, le mélange n'est pas me'akev, n'est pas obligatoire. S'il n'a pas été fait, c'est quand même kasher. Par contre, si tu as une telle quantité de farine qui ne peut même plus être mélangée dans l'huile, alors, Bila Me'akevet, ici je dirais que le mélange est obligatoire. C'est-à-dire, il faut obligatoirement que ça puisse être mélangé dans l'huile.
Si ça ne peut pas l'être, c'est pas soul. Si ça peut l'être, c'est kasher même si on l'a pas fait. Ici aussi. Quelqu'un qui est capable de parler, même s'il n'a pas dit les psukim, la khalitza elle est kshera. S'il ne peut pas parler parce qu'ils sont muets, la khalitza elle est psula. Pas uniquement quand il n'a pas de conscience, même s'il est très intelligent et très conscient, simplement il ne peut pas parler, eh bien, la khalitza elle est psula. Shalchoulé, la voix de Shmuel. On a envoyé une halakha au père de Shmuel qui disait, Yevama sherakeka tachlot. Une Yevama qui a craché déjà devant le Yavam. Elle doit faire Khalita, c'est fini. Le hiboum, elle ne peut plus le faire, elle ne peut plus que faire Khalita. Mikla de Ifsela la Meachin, tu déduis de là que ça y est, elle est psoula pour les frères. Donc, une fois qu'elle est crachée, c'est terminé. Pour les frères, elle est interdite. Il ne lui reste plus que l'option de faire Khalita pour se libérer. Mané comme qui ça va, cette halakha qui était envoyée au père de Shmuel. Il aime Rabbi Akiva. Si cette halakha va comme Rabbi Akiva de la Mishnah qui a dit que même si elle n'a pas craché la khalitza, elle est kshera. Comment comprendre que quand elle a craché, elle s'interdit aux frères? Hashta. Maintenant. Uma bimkom mitzvah. Si déjà là où il y a une mitzvah de cracher parce qu'elle a déjà enlevé la chaussure. Dit kalemema, ou là j'aurais pu dire, midedea va emurim. Ça ressemble au cas des graisses d'un korban. On voit combien la Gemara, elle jongle d'une halakha à une autre, vraiment sans gêne. On saute de korbanot à khalita, et en haut, on a vu aussi, on passait de la reti'a, donc du serviteur qui se perce l'oreille, et du metzora, à de là, on apprend plusieurs halakhot de khalita. Donc la Torah, vraiment, elle se complète d'un endroit à un autre. Pour arriver au halakhot qu'on a vu sur ce daf, on a dû toucher d'halakhot de metzora, d'halakhot de avodazara, des halakhot du serviteur à qui on perce l'oreille, d'halakhot de mélange de farine, de menachot donc. Et là, on passe aux korbanot. Les graisses. Les graisses des korbanot. De chilet neu, l'omeakve. Si les graisses du korban ne sont plus là parce que c'est devenu pastoul pour une raison ou une autre, on les a perdues, alors le korban il est kasher. Une fois que le sang a été jeté au misbéach, c'est bon, on peut manger la viande. Mais si on a les graisses, mais il faut les brûler au misbéach pour permettre la viande ensuite. Et donc tu vois que quand j'ai les moyens, je devrais le faire. Et pourtant, Amar Rabbi Akiva, l'homme est akva. Rabbi Akiva a dit par rapport à la Yevama qui n'a pas craché, Rabbi Akiva a dit bon, ça va. Malgré qu'a priori, il n'y a rien qui lui empêche. Elle a déjà fait khalita, elle a enlevé la chaussure. Qu'est-ce qui lui empêche de cracher? Viens, complète la mitzvah. Non, Rabbi Akiva a dit c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas me'akev, c'est bon. La mitzvah, elle est kshera. Me'achin, ifsela. Donc tu vois que l'étape de cracher devant le Yavam, elle est tellement accessoire que même quand elle est possible et qu'elle pouvait se faire facilement, on court pas après. Alors maintenant, dire que quand elle a craché, c'est fini, elle est devenue psoula pour les frères, ça ne peut pas s'entendre d'après Rabbi Akiva. Ça marche pas. C'est vraiment trois accessoires pour entendre une chose pareille. Ve'ela le Rabbi Elazar. Il faudrait dire donc que ça va comme Rabbi Elazar, qui a dit que si elle n'a pas craché la khalita, elle est psoula. Donc tu vois que de cracher est une étape très importante dans la khalita. Tu peux comprendre donc que dès qu'elle a craché devant les frères, elle est devenue psoula pour ses frères parce qu'elle a déjà commencé, la mitzvah de la khalita en crachant. La Gemara dit, mais comment tu peux dire d'après Rabbi Elazar que de cracher est suffisant pour s'interdire aux frères? Pourtant, d'après Rabbi Elazar, on a dit, il faut les deux étapes, cracher et khalita. Et si on a deux étapes obligatoire pour la libérer et la permettre en mariage à n'importe qui, eh bien, nous avons un principe selon Rabbi Elazar que quand il y a deux étapes dans une mitzvah et qu'il n'y en a qu'une seule qui a été faite, elle ne vaut rien, elle n'est pas valable du tout. Ve'ashne dvarim amatirinu, ce sont deux étapes qui viennent permettre la chose, ou shne dvarim amatirin en ma'alin zebelose. Or, nous voyons toujours dans les korbanot que si nous avons deux étapes obligatoires pour permettre une chose, eh bien, une sans l'autre n'est pas valable. Et là, qu'est Rabbi? La Gemara répond donc, ça va comme Rabbi qui dit, que même lorsque j'ai besoin de passer deux étapes pour permettre une chose, dès qu'une des deux étapes a été faite, eh bien, il y a déjà un effet de cette étape-là qui a été faite. Ça a un effet déjà. Et donc, selon Rabbi, on peut comprendre que, de même que quand elle a fait Khalitza sans cracher, c'est pas soul, de même quand elle a, c'est-à-dire parce que cracher c'est important, de même, quand elle a craché, c'est déjà suffisamment important pour l'interdire au frère, et donc là, on va lui obliger de faire Khalisha.
Détania, où est-ce que se trouve cette discussion-là entre Rabbi et les Chachamim à propos de la question-là des deux étapes, comme on a dit? Détania qui faisait Atseret. On parle des agneaux de Shavuot. Les agneaux de Shavuot, à Shavuot, il faut faire un corban de deux agneaux. Et ces agneaux-là, ils viennent avec le pain de Shavuot. C'est-à-dire que dès qu'on fait le corban des agneaux, on a le droit de manger le pain. Ça se fait en deux étapes. En faisant la shrita, le pain, il devient un pain sacré, kedushat haguf, lui-même. Et puis, en jetant le sang des agneaux, ça permet au kohanim de manger ce pain. Donc, il s'attire, dit la braïta, en mekadshin alechem ela beshrita. Il ne donne de la kedusha au pain que par leur shrita. Qu'est-ce que ça commence à? Shrata nishman, vezarak dama nishman. Si la shrita était faite en son nom, donc le shochet, il a dit, je fais ça comme korban de kivse atzeret, les agneaux de Shavuot. Vezarak dama nishman, il a jeté le sang correctement aussi avec les bonnes intentions. Kadash alechem, le pain, il est kadosh, il peut être mangé. Si maintenant, shachat shelo lishman, vezarak lishman, si la shrita était faite avec de mauvaises intentions, pas en tant que korban que c'était, et ensuite, même s'il a jeté le sang comme il faut, correctement avec les bonnes intentions, le kadash alechem, le pain n'est pas kadosh. Si maintenant il a commencé correctement, shratan lishman, vezarak daman shelo lishman, il a fait la shrita correctement, donc il a déjà commencé, il a bien commencé, mais il a jeté le sang avec de mauvaises intentions, pas au nom de ce korban-là, au nom d'un autre korban par exemple. Kadosh venant kadosh, divrei Rabbi. Selon Rabbi, le pain a déjà été, il a pris déjà de la kedusha, mais pas entièrement. Donc c'est un pain sacré qui ne peut pas être mangé, qui ne peut pas être même racheté, mais le permettre, on ne peut pas encore, on ne peut pas le permettre au kohanim, on ne peut pas encore et pas du tout, parce que le sang n'a pas été jeté avec les bonnes intentions. Donc je vois que selon Rabbi, quand il y a deux étapes à passer pour permettre le pain, une sans l'autre, elle fait quelque chose. Elle a un effet. Le pain devient kadosh. C'est pas que c'est rien du tout. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, le olam et le kadosh, atishrot lishman vizrok daman lishman. On voit selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qu'il faut absolument les deux étapes, traverser les deux étapes correctement. Donc, que la shrita soit faite lishman et la zrika soit faite lishman, aussi bien la shrita que le sang ait été jeté correctement avec les bonnes intentions afin de dire que le pain il est kadosh et qu'il est permis. Sinon, le pain n'a même pas été encore kadosh. Donc tu vois que selon Rabbi Elazar, si j'ai deux étapes à traverser, une sans l'autre n'est pas valable. Ici, je ne pourrais pas donc selon Rabbi Elazar, accepter que la Ivama qui a craché, elle est interdite aux frères. Il y a deux étapes à passer, elle n'en a fait qu'une, elle n'en a traversé qu'une seule, c'est rien du tout selon Rabbi Elazar. Par contre, selon Rabbi, on a vu que dès qu'une étape a été faite correctement, ça y est, on a déjà commencé à faire quelque chose. Il y a déjà un effet à cette étape-là qui a été faite correctement. Donc ici aussi, une fois que la Ivama a craché, eh bien, ça a déjà son effet, elle est interdite aux frères. C'est comme ça qu'on va comprendre l'alaha qui était envoyée au père de Shmuel, qui disait que la Ivama qui a craché, elle ne peut plus que faire Khalitza. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a craché, ça fait quelque chose déjà, ça l'interdit aux frères. Donc ça ne se comprend que selon Rabbi, mais pas selon Rabbi Elazar.